Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Frank pour un nouvel épisode de The Dungeon Ring. Il faut aller défaire un boss, ou bien défaire un boss, to beat the mimic before catch you, avant qu'elle t'attrape. Ça sent l'échec, je vais faire cette mission parce qu'elle sent l'échec et que mon héros, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement l'épisode précédent, donc ça m'étonnerait. A subi moins 1, voilà, il a moins 1 point de vie parce que maintenant officiellement, après tant d'aventures, il a décidé d'être une merde. Voilà, d'avoir une blessure. Il a officiellement. Pourquoi tu veux aller vers la mimique, espèce de. Ah oui, parce que tu peux aller que vers la mimique. Je vois, tu veux dire. Qu'est-ce qu'on a comme fontaine ici? Une bonne fontaine. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une mauvaise fontaine. On a une très bonne fontaine aussi. Très intéressant. Eh bien, allons-y ici, mon ami. Parce qu'il y a de l'or par là, vois-tu? Let's go. Let's go, Manu. Très bien. On a... Ah oui, parce qu'il est attiré par les fontaines. Si je mets celle-là, admettons, parce que c'est 50% de distance, c'est que des bonnes fontaines. Très bien. Je pourrais presque me faire un build de fontaine avant qu'il m'arrive dessus. En fait, l'intérêt là, c'est de raccorder ça pour éviter la limite. Un risque. En fait, je suis à poil pour affronter le boss mimique. Je sais pas quel est le niveau du boss mimique en plus. Énervé. Il a 2 jours, il a 11 PV. Très énervé. Mais on est sur une. On va devoir se taper le boss unique. Et bien, très bien. Ce sera donc le boss unique. Pas le choix. Un poil avec juste nos fontaines. Allez. Avec 4 points de vie. 4 points de vie contre le boss unique. C'est parti. C'est bon. C'était bien. C'était super bien. Il a pris beaucoup de dégâts, ça c'est fait plaisir, c'est pas grave. Nous sommes pas grave. Terminé. Which animal would be a dungeoneer? A cunning fox? An agile deer? Or a fearsome beast for a foe's condemning? But alas, this dungeoneer's a lemming. Alors, avant de repartir sur un donjon intéressant, est-ce que toi, tu n'es pas ouf? Alors, voilà, ce qu'on va faire, regardez, c'est vraiment les donjons de votre vie, c'est parti. Regardez, vous allez voir, c'est très très impressionnant comme... Ah mais attends, c'est une nouvelle quête? Une nouvelle quête qu'on ne connaît pas. Ah, c'est avec le méchant démon qu'il est méchant, le démon. Mais c'est un cul-de-sac. Fin de la game. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Mais... Mais Dieu, tu nous as collé un cul-de-sac? Oh, la meilleure blague. Oh, vas-y, hop là, D'accord, eh bien, je savais que ça peut arriver. Je sais pas ce genre de jeu. Oh, pas de besoin de pièces. Je pense que je ferai un boss. Avec mes 5 PV, je sais, franchement, je le démonte. Je le démonte, mon gars. Y'a pas de défense, c'est du démontage pur. Attaque!
Oh dommage, j'ai failli gagner. Ah bah non, en fait. A sorry tale, a gory story. Another hero dies for glory. In the ground they rest the head. Dead, dead, dead. Dead, dead, dead. Tasui. On n'a pas déjà eu un Tasui là? Tasui, on a déjà eu Tasui. Un Tatsuki là. Un nom de plat japonais là. Je sais pas quoi. Appelle-moi ça comme ça, on s'en fout. On s'en fout de ce que t'as. Dégage. Meurs. L'achat. Ouais. Bah, t'es un espèce de chat, quoi. On va y aller, puisque ce qui va nous intéresser, on va explorer le nouveau donjon. Ouais, on va explorer le nouveau donjon. Allez, let's go. On va espérer lui faire un trait positif pour la suite des combats. Squelette. D'accord. Ça peut être un squelette que je fais pop. Complètement ça, non? On se met un petit gobelin. Let's go. Let's go, un gobelin. Ok, il va perdre un point de vie. Il perd un point de vie. Il va déjà reperdre un point de vie. Là, il me tue. Bah, c'était bien. C'était méga bien. Voilà. Mais j'ai tué le gobelin. Ce qui est extrêmement intéressant. Voilà. Come gather round and listen now to our hero's epic tale. Vous savez quoi? To all of an epic journey. But also an epic fail. Voilà. Incroyable. Waouh, plein de boutasse. Eh bien, du pognon. Voilà, si t'arrives à battre le him, GG. T'arrives pas à battre le him. Le lutin. Ok. Il fait des choses stupides, heureusement. Il y a des meubles à lui. Craqué. Genre ici. Tellement craqué. Et en dehors. Incroyable. Alors là il faut buildager un rat donjon. T'as l'air nul.
genre pas de nom, c'est ça le projet. Tu vas coller deux noms en face, tu vas passer. Non, t'as pas de trait. This is the guild of dungeoneering, where dungeoneers all come to die. One by one, they're disappearing. So now you should say your goodbyes. Bye bye. Bye bye. Allez, salut mec. Let's go. Let's go. Le vrai donge. Le vrai donge, c'est parti. Allez, un pas de cul-de-sac ce coup-ci, s'il vous plaît. Donc faut aller péter le lore de Gret, donc ici. C'est une torture des plus esthétiques de petits amis. Et des tubes. Voilà. Je pense que petit arme, c'est pas la toche. Il va le faire sauter une carte. Thank you.
ça fait des ronces dedans. Puisqu'il attaque dans 7 tours, on attendra de voir ce qu'il est capable de produire. Si ce qu'on peut se mettre, c'est un pas dessus. Je sais pas si on
A sorry tale, a gory story. Another hero dies for glory. In the ground they rest the head. Vous répétez, de toute façon. Dead, dead, dead. Ah, c'est si dur. C'est si dur. C'est si dur. C'est si dur, c'est si dur. Voilà. C'est le Darkest Donjon. On va continuer parce que l'on n'est pas sur un épisode de 30 minutes, donc je vais bourrer tout simplement. Je vais continuer à bourrer, mais avec des aventuriers nuls pour pouvoir masser de la thune. Et ce sera l'épisode Darkest Dungeon. Ce sera l'épisode du plus sombre des guinjons. Ah oui, dans le donjon de secrétaire. Ok, d'accord. Ah! C'était un decay, let's go. Se sont dit grosse idée. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas d'arme de torse, de thorax. Et après ces combats avec une malédiction de blindness. Donc en plus je ne verrai pas ce que va jouer le squelette.
quel plaisir. Mm-hmm. Bon bah let's go. Let's go hein. Ouais bah on est du même niveau. Allons nous régaler. On a le numéro de points de vie ou pas? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. J'ai moins de points de vie. C'est mon défaut. Once again they tried in vain to overcome and not be slain, but overrun and very scared, our heroes fell in battle. Comment ça? Ah oui, j'ai gagné. Ok, on a fumé max un boss depuis. Oh, le do... Ici, c'est plein. Ça commence à se remplir. Hein. Ça commence à être bien plein. Bah écoutez, on va quand même ici. On va insister comme un ritardos. Normalement, là, on devrait pouvoir péter ce squelette sans trop de problèmes. Tac, tac, tac. Ok. Sorry tale, a gory story, another hero dies for glory. In the ground they rest the head. Dead, dead, dead. Ouais, Ted est dead. Allez, on se refait la même. Wouh. Trop bien. Au secours.
pas me tuer. C'est infernal. This is the guild of dungeoneering, where dungeoneers all come to die. One by one, they're disappearing. So now you should say your l'épisode sera parfait. Goodbyes. Intéressant de réussir à débloquer le ranger avant la fin de cet épisode. Let's go. Let's go. Tu préfères aller te taper le gnoll? Mais t'es une merde, hein. T'es une... Je vais encore gagner 2$ juste pour sa couronne à la tête de merde. Ah, vas-y. Exactement. Est-ce que j'ai assez pour péter un bandidos? Est-ce que j'ai assez pour péter un scorpion? J'ai pas assez pour péter un bire. Ah, quoique. Parce que tout ça, ça donne de l'armure physique. Je bloque un peu de magique là, vite fait.
Je bloque du physique. Si je tape un peu fort. Hein. Je tape un peu. Ouais. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque. On va essayer de tirer un peu plus sur notre donjon. Hein, si on peut tirer. On va voir. Ok. On va pour mettre du pognon sous ce connard là. Ça t'arrêtera de me saouler là. C'est aussi fort ce coup. On va faire des tours et des détours. Pourquoi vous avez deux heures s'il vous plaît?
Je sais pas pourquoi. Et on le saura probablement jamais. Et si je bloquais tout ce que je dois dire, voilà, terminé, je meurs de leur de sang. Si fort le cimetière. Oui. Est-ce qu'on va vers une victoire? Est-ce que ça y est? Est-ce qu'on en a marre de galérer? Est-ce que finalement on n'a pas marre du rap?
prend les 3$. Et fin du coup, on va sur la mimique, on va sur le squelette, on en parle plus. De toute façon, voilà, on passera pas au delà. Donc, let's go. Ouais, je vais te laisser me mettre le pay. Et sur ton père. Victory, it being such a fine fleeting thing, is often not to be found. Who knows what horrors the future may bring? So cherish it while it's around. Si je dis pas de bêtises, alors attends, c'est le quel perso que j'ai envoyé dans les 7 enfers là? C'est toi, hein, c'est Robbie Williams. Fire 1, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on peut voir ce que ça fait? Je crois que c'est le truc qu'ont les élémentaires de feu et qui font que je perds un point de vie par tour et les autres aussi. C'est un superbe cadeau empoisonné comme on les aime. B2 expand la guilde. Est-ce qu'il n'est pas temps de débloquer le ranger? En vrai. Ah, c'est un autre bâtiment. Très bien. On a gagné. The guild is looking for a swift kind of guy. Who wants to be seeking out danger, while fond of poking beasts in the eye?
I give to you alors là, a ranger. Ça devient très intéressant parce qu'on est sur quelqu'un de type énerved. Et qui va appliquer all physique quick plus un damage and already quick. Attends, ça veut dire que toutes mes attaques font toutes les attaques qui font un dégât sont rapides. Toutes les attaques physiques sont rapides, ok. Et plus un de dégâts quand elles sont rapides. Ah, ce qui fait que si je prends alors je suppose que ça ne boucle pas, puisque on voit que Pierce par exemple n'a pas, enfin Pierce par exemple ne fait pas deux dégâts, elle n'en fait qu'un. Même là, Wooden Arrow fait qu'un dégât. Donc je suppose que c'est dans le cadre où la carte est déjà rapide, elle gagne un dégât physique supplémentaire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, on pourra tester ça dans un prochain épisode. Je remercie Stegna Fonction comme d'habitude Gaming pour le Darkest Dungeon. Et bisous à la prochaine.